Initiating system one. System one loaded. Ohio, c'est Gunshow et je suis de retour pour jouer à Fallout 4 et vous faire le premier épisode qui suit la création du personnage. Donc voilà, alors. Bombe sucrée. 100% de l'apport quotidien en sucre. Oui. New Coca-Cola. Bien frais. On dirait que le lait a été livré. Ah. Steak Salisbury en sel. Note A+. Comment un si petit bonhomme peut boire autant? Toujours la même chose. Tu peux aller ouvrir? C'est sans doute ce représentant, il passe tous les jours. Mon cœur. Tu veux bien y aller? Oui, j'y vais, y aller. On tient à cœur, à nous, Américains. C'est Costelli. On ne trouvera jamais ce chien. Vive l'Amérique! Je suis vraiment fier d'elle. Ça c'est assez bon. On peut voir des trucs, hein, on sait jamais. C'est pas intéressant. Ok. C'est pour s'asseoir. Il faut vraiment faire développer ses photos de vacances. Inutile de s'habiller deux fois. La guerre ne meurt jamais. C'est clair. Il n'abandonnera pas comme ça. Apparemment, ouais. J'espère que le café est à votre goût, monsieur. Oui, mon robot, oui. Le péter. C'est Mimi. C'est vraiment... Je me demande à quoi Sean ressemblera plus tard. Et un jour, il va apprendre à conduire. C'est parti, allons faire. Au revoir, monsieur. Ouais, je suis là. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, société Voltec. Oui, Voltec. Bonjour. Regardez ça. Quel magnifique ciel bleu. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ah bon? Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Mais rien de moins que votre avenir. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce pays court droit à la catastrophe. Excusez ma franchise, mais la fin du monde est, disons, plus ou moins inévitable, j'en ai peur. Et elle risque de survenir plus tôt que vous ne le pensez. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est... un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. Ok. L'abri 111. 111. Il y a de la place pour toute ma famille, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Sauf pour votre robot, naturellement. En fait, vous avez déjà accès à l'abri. Il faut simplement que je vérifie certaines informations. Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes en cas d'imprévu comme... destruction atomique à l'échelle mondiale. Ça ne durera qu'un instant. Vous pourriez m'en dire plus sur cet abri? Oh, il a tout le confort moderne d'une vraie maison, pas d'inquiétude. Sans parler d'une protection totale contre les radiations nucléaires et les mutants hostiles. Un avenir meilleur sous terre. C'est bien... Je peux enlever ce machin-là? Bien plus que notre... Oui, bon, on va se garder. Mission, voilà. C'est notre passion. Notre passion, ok.
Allez, d'accord. Pourquoi pas. J'accepte. Très bien. Très bien. Alors, voyons. Alors, ok. Bon. Voilà. Ok, 21 points disponibles. Ouf. Donc quoi je vais mettre, franchement. Comme j'aime bien l'intelligence, je vais mettre... ok. Faire ça, ok. Hop, ça c'est fait. Kencho, hop. Alors, on va mettre un... 5 d'intelligence, la chance, je suis pas très chanceux. Mais la force est bien pour si on veut porter des choses, donc je vais mettre déjà 5. Jusqu'à 5. L'endurance, c'est pas mal pour assez points de vie. Un charisme, je vais en mettre 3. Ça, 5. Peut-être après, si j'ai perception, c'est pas mal, mais. Moins de charisme. Un plus intelligence. La force, on va baisser ça. Chance. On mettra un point qu'un. Bon, déjà ça c'est de toute façon après quand on monte de niveau on aura d'autres points. Donc, quand même pour commencer c'est pas mal. Intelligence, ouais, c'est important intelligence. Surtout s'il y a des trucs à ouvrir ça va être chaud. Voyons voir. On va faire ça. Formidable! Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Okay. Félicitations, vous venez d'assurer votre avenir. Ouais. Merci encore. Merci encore. Allez. Tranquille, ça vaut bien. Hey, Trésor? Ce que je ne ferai pas pour Sean et toi. Ah, ça sent pas. N'est-ce pas? C'est fou, c'est déjà Halloween. C'est déjà Halloween? Oh. Il semble par ailleurs que... Je pense qu'il a besoin d'un talent, papa. Qui a laissé ça ici? C'est toi? C'est un peu tôt pour ça. Allez, allez. Codsworth. Ok. Je peux pas courir là. Ok. Le petit fait que pleurer. Jouer avec Sean. Ok. Comment vont mes hommes pour que vous... Fais tourner un peu le mobile. Il adore ça. Le module. Ok. Comment se porte mon petit bonhomme? Ça va mieux? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Bonne idée. Ouais, bonne idée. Madame, monsieur, je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Codsworth? Avec nos monsieur, regardez les informations. Sûr nous confirme que... Oui. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Waouh. Oh mon Dieu. Il faut qu'on aille à l'abri. Vite. J'ai Sean avec moi. Allons-y. Ok, je peux courir là. Ok. Toi tu restes là. Habitant de Sanctuary Hills. Si vous êtes inscrit, rendez-vous immédiatement à l'abri 111. Oh my god, il est trop beau, il est trop beau ce jeu! Chut. Ne pleure pas, tout va bien. Tous à l'abri! Laisse les valises! On n'a pas le temps! Aide-moi! On se fout des valises. Sauvez votre vie pour vous sauver! C'est absurde! C'est si moi, vous Voltaire liste, vous ne si pas. Je rentre, vous ne m'arrêterez pas. Oh non, oh, oh, oh. Laissez-nous entrer, on est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte, c'est bon, allez-y. Merci. Bonne chance, madame.
Dieu nous vient. Vous deux, suivez-moi, allez! Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière? Allez, dépêchez-vous! Pardon? Suivez-moi! C'est que tu veux le tech. Ouais. Sur la plateforme! Putain, c'est trop mettez-vous au milieu! Oh putain! Oh, my God. Ok, il se passe au milieu, ok. On y est presque. Tout ira bien. Je vous aime. Tous les deux. On t'aime aussi. What the fuck? Ça va bien de descendre. Accroche-toi! On peut pas aller plus vite. T'inquiète. Ah, pépère! Oh, Jesus Christ! Ok, bon, on est en bas. On a réussi. Ok. On y est. On y est, ouais. C'est tout bien. Va bien. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Oh, inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111. Un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Montez l'escalier, allez. Je n'arrive pas à le croire. Si on était partis une minute plus tard... N'y pensez on serait tous. Vous êtes en sécurité. Carbonisé. Comme des bichouilles. Montez tous l'escalier et franchissez la porte. Ok, ok. Hey. Montez l'escalier. Pardon. Bienvenue dans votre non, pas improvisé. J'espère que c'est pas un proviseur en foi comme dans le. Dans Fallout 3. Ouais. Parce que là, franchement. Merci d'avancer. Le toit est un peu élevé, mais ça. Femme. Homme. Hey! Bonjour. Une femme. Homme. Les niveaux sont bons. Là-bas, s'il vous plaît. Prenez une combinaison, puis suivez le couloir. Chouette! Hey! Bon, avance-toi. Il vous faut une combinaison pour accéder au reste de l'abri. Une combinaison par personne. Maintenant, suivez le couloir. Ok. Prenez tous une combinaison. C'est ce que vous porterez dans l'abri. Merci. Chouette. Et maintenant ? Suivez le médecin. Il vous montrera. Vous rendre ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. Pardon. Par ici, s'il vous plaît. Tu vois ? Ok, il faut suivre le docteur. Oh, vous serez bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. Ok. C'est très cosy. On a tout perdu. Notre maison. Tout ce qu'on avait. Mes parents étaient à Washington. On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. Mais d'abord, on va commencer par un examen médical. Ok, chouette. Ça me va bien, non? La combinaison de l'abri est conçue pour être aussi confortable que chic. On est parés pour l'avenir, pas vrai? Et enfilez votre combinaison. Alors, fiston, je ne vais pas loin, je serai juste là. Excusez-moi. Ok, bon, j'ai la tunique. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. Ah, chouette. C'est une nouvelle vie qui commence. Terminé. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Congélation.
What? C'est celle-ci. Ouvre. What? What? Voilà. Ne vous inquiétez pas. Viens me voir. Attendez. Je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Je vous donnerai pas un seul. Oh. What? Au moins, il faut se retrouver. What? What? Ok. Ça commence bien. Ou pas? Non, je pense pas que ça commence bien, non. Ok. Bye. De la station cryogénique. Reed doit s'évacuer immédiatement. Wow. Non. Il peut que sa femme est morte. Allez! Il doit bien y avoir une ouverture! Allez! Oh non! Panne critique de la station. Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. Ah, pétard. Oh, bon sang. Comment Voltec a pu faire une chose pareille? Pas que c'est Voltec, hein. Ok, tac. Dysfonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryogénique. Il ne reste que moi. Dysfonctionnement de la commande manuelle. Y'a quelqu'un? Y'a-t-il quelqu'un dans le coin? Pourquoi ils ont fait ça? Comment on fait
Toucher une touche qui fait mal. Franchement. Station cryogénique. Tous les résidents de la. Ok, ça c'est le web. Ok, ça se peut être, ok. Ok, ça c'est pour les armes, je pense. Il n'y a vraiment pas la touche inventaire. Panne critique de la station cryogénique. Tous les résidents de l'abri doivent s'évacuer. What? Oh. Cafard. On va se taper des cafards. Tiens, mange. Ouais. Des cafards géants? C'est quoi ce bordel? Ouais, c'est quoi ce bordel, ouais, j'avoue. Bouteille de bière. Hop, je vais prendre ça. Ouais, je suis un alcoolo. y'a rien sur le bureau. C'est quoi ces jeux? What? Ah mais là elle en dirait un... On dirait un Donkey Kong. Merde, qu'on fait? Ouais, qu'est-ce que... Bon c'est pas grave, on n'est pas ça pour... Ouais. On va voir ça plus tard. Hein. Merde, je crois que je vais faire échappe. Je m'arrête. Ouais, je m'arrête, ok. Putain, mais ça va y aller avec le. Ok, bon, on va. Toc-toc. J'espère que j'ai oublié. Comme okay, on regardera encore une dernière fois. Parce qu'il y a des trucs cachés, on sait jamais. D'autres cachés. Comme les figurines ou autres, je sais pas. Je pense pas qu'il y en a ici. On peut toujours regarder, on sait jamais. Tabasse le pauvre graf. Ah putain, y'a encore un autre cafard là. C'est pareil ça. Ok. On va éviter de passer ce côté, hein. Ah ça pique. Aïe. Couché. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tous les autres? Un squelette.
Alors, j'aurais pu faire le tour en fait. Ok, bon, d'accord. Oui. Et encore. Ok, ok, passe par là, tac, 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 que dalle. Oh putain, mais encore des cafards. Oh my god. Toujours utile, même si c'est dégueulasse, des cafards. Ok, bon. Ok. Toujours prendre ce machin là, hop. C'est tout ce qu'il reste ? C'est tout ce qu'il y a des survivants. Je dortais. Ils ont pu sortir ? Le mec qui dit c'est tout ce qui reste du cadavre. Oh. Qu'est-ce qu'il y a d'arrivé au jeu ? Argent de guerre, si je retire. Crayon. Il y a sûrement un terminal quelque part. Ça le... Merde, c'est pas ça. Ah merde. Hop. Ouais. Ouvrir la trappe. Ah! Ok, d'accord. C'est ouvert. Bon. Ok, ça, j'ai beaucoup de munitions. Faudra le faire. Ça va. Merde. Il est mort lui. Je pense. Voilà. Désolé pour ma chaise. Putain. What the fuck? C'était une invasion! Ah!
C'est une invasion de clafards. De clafards. De gra... Bref, de cafards. On va ouvrir ça, hein. Hop là. Ok. Tille. Putain. Ah, sans l'ombre. Oh, ouais, c'est pas utile, ouais. Oh non. Oh non, un cadavre. Hop, putain. Putain, je t'ai pas vu, toi. Oh, un petit boy. Ok. Inventaire, ok, d'accord. Ah voilà. Ok. Oh, j'ai de la place. Ok, j'ai des alliances. Des lunettes. Hop là. Est-ce qu'il y a une radio? Même pas. Ok. En même temps, je suis. Ok, bah c'est vrai. C'est vrai que c'est pour ouvrir. Ah. Table. Faut j'imprime. C'est table. Il n'y a rien d'autre à prendre ici. On tire. Tac, tac. Il n'y a plus que moi. C'est tu ça. Utile à vendre. Oh, je suis pas sûr. Est-ce que j'ai vraiment envie de descendre en bas? quoi ici? Ok, ça revient qui ça revient là. D'accord. Je vais quand même voir en bas. Ah non, ah quoi passe. Ok. Qu'est-ce que je suis con, pourquoi j'ai pris ça. Ok, bon j'ai pris de la rade. Ah c'est pas grave. Allez. Alors, ouvrir ça, hop. Et voilà. Ouvrons ce machin. Hein, voilà. Ready. Ok. Ah c'est stylé ça. Ok. Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer. Veuillez reculer, ok. Là. Reculons. La porte est ouverte. Ok. Bon. Ok, ça c'est l'ascenseur. Bon. Je vais vous dire à plus tard pour un épisode sur Fallout 4. À mon grand regret de finir ce petit épisode. Donc je vous dis à plus tard, c'était Gunshow. Bye bye.